On peut dire que certaines personnes endurent vraiment de sales journées. En voilà un très beau spécimen. Regardez-le, avec son look ringard et son pif luisant d'acné. Marion, c'est son nom, 32 ans. Son rêve, devenir une star du heavy. Sa passion, collectionner les capsules de bière. Wow ! Putain, je l'avais pas ! Pauvre petit père. Et dire que ce matin encore, tu ne te doutais de rien. À croire que tu étais vraiment prédestiné à vivre cette journée pathétique. Hé Marion, j'en peux plus. Ça fait un mois qu'on est ensemble et tout ce que tu m'as montré, c'est le best-of des beaufs que j'ai pu croiser à Saint-Étienne. Tu m'as fait la totale. Tous les soirs, tu te défonces avec tes jeux vidéo. Dès que t'as un moment, t'es scotché pour les films porno. Même quand on baise, tu penses qu'à ta pomme. Mais enfin, Totoche, cette nuit, c'était quand même le Nirvana. Pauvre merde. J'étais pas là. Je suis sortie à un concert. Et quand je suis rentrée, tu ronflais les pieds dans une pizza et t'as passé la nuit à baiser les dredons. Et je t'ai déjà dit de pas m'appeler Totoche. Je m'appelle Cindy, bordel. De toute façon, je m'en fous. Casse-toi. Je t'en foutrais de Nirvana, moi. Salope. T'as 2 heures de retard. Ça va? Monsieur a passé une bonne soirée? Parce que moi, grâce à toi, je suis dans la merde. J'ai reçu un courrier de la ville, service hygiène. Tu connais? On a reçu une 60aine de plaintes. Il y a des clients qui ont retrouvé des bouts de poils et des bouts d'ongles dans la calzone. Dans la calzone! Écoute, Marion, t'as 5 secondes pour foutre le camp de la pizzeria. Sinon, je te coule les 2 pieds dans le béton et tu finis dans le furan. Ouais, enfin, ça va, on va s'arranger, on va trouver une solution. Et puis, d'abord, on est le 28 du mois et j'ai toujours pas été payé. Et puis, j'ai... Comme tant d'autres, Marion a beaucoup de mal à admettre qu'il est l'unique cause de son malheur. Et plutôt que de chercher une solution à ses problèmes, il s'apprête à faire ce qu'il sait faire de mieux. Connard ! Glander devant la télé en buvant de la bière bas de gamme. Mais c'était sans compter sur ce foutu coup du sort qui était bien décidé à se marrer un peu. Écoute, on en a bien discuté avec ton père, tu peux plus rester à la maison. T'as 32 ans. Tu vis toujours à nos crochets. T'es incapable de garder un boulot. Et c'est toujours à nous de payer les charges et de laver ton linge. Enfin, c'est pas de ma faute si ces crevards de patrons, c'est tous des esclavagistes. Bon, ça suffit. On te laisse une semaine pour trouver un logement. Tu m'entends, Marion? Tu dégages. Et crois pas que tu pourras revenir en douce. Dès la semaine prochaine, un locataire vient occuper ta chambre. Alors ramasse ton bazar et fais le ménage dans cette pièce. C'est une véritable porcherie. Quoi? Ah, y'a Totoche qui me largue ce matin? Y'a mon connard de patron qui me fout à la porte? Et puis maintenant vous? Eh mais je suis votre fils quand même! Ouais. Gavé, je vais me jeter sous les roues d'une voiture, je serais bien tranquille. Il y a effectivement des personnes qui passent vraiment de sales journées. Et Marion, 32 ans, célibataire, chômeur et sans logement, en fait partie. Mais rassure-toi mon petit oiseau. Cette journée n'est pas finie. Flash là, hein, chien.
j'étais pissé. Non, non. Adoré. Oh, lâche-moi, t'as un problème ou quoi, toi? Mais hey, ça va, Poufias? Oh, laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé, moi, pas de problème. Hey, dégage, je suis toi ailleurs, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je suis parti pisser, elle me pique ma place. Eh, hey, mange, merde. Je vais assis où? Alors tu te casses, maintenant. Ouais, mais si tu veux que je sorte, je vais faire me sortir. Connard. Et mange, merde, comme toi, je les mets dehors. T'es un putain de fasciste! J'ai juste à pisser! C'est ma place en plus! Et j'ai... Oh merde! Ma clope! Bonjour, barbe pouilleux! Faire traiter comme un loser? Oh putain. Ma caisse. Eh oui, Marion, cette journée de merde s'achève enfin. Mais demain, le jour se lève aussi.